t'es longue et que la ligne est mince. On dirait que je suis à la maison, comme dans une église. On dirait que je respire comme ça. On m'a souvent dit ta voix ressemble au chant d'église, les échos. Donc, je me sens à la maison. Puis en même temps, ça a tellement un beau son quand on enregistre dans une chapelle comme ça. C'est une ancienne chapelle ici dans le quartier à Montréal. Puis vraiment, je suis choyée parce que c'est énorme. C'est très grand. J'ai de l'espace. Moi qui est hyperactive, j'ai en masse de place pour courir. Les chansons sonnent toutes bien ici, vraiment. Ça passe bien en studio, j'ai que des beaux moments ici. On dirait que le monde nous dit des fois, veux-tu aller prendre l'air? Non, 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 je suis bien, je suis dans mon élément, je veux... Si moi j'embarque dans... Pour enregistrer une chanson, il faut que je la finisse, faut que... Je veux pas aller prendre des marches ou quoi que ce soit, il faut que je sois plongé dans mon univers pour une journée ou deux. Toby Gendron. Qui travaille ici au studio et qui est le réalisateur de mon album 2, parce qu'il a été aussi le réalisateur sur mon album 1. Donc, on a travaillé ensemble l'année passée aussi. Donc, il me connaît très bien ma voix, il sait comment l'envelopper, il sait comment rendre les musiques, les instrumentales de tout le monde, le mettre à ma façon, à ma peau, à ma voix. Il est extraordinaire, puis il fait que de la magie, cet homme. Mais ça, c'est une machine. C'est incroyable. J'ai jamais vu quelqu'un embarquer devant un micro et performer comme ça. C'est vraiment... tout est bien placé. La diction, c'est vraiment incroyable. C'est une grande, grande chanteuse. Faites du fun. C'est ça l'important parce que c'est comme le travail idéal. Je fais ce que j'aime, puis en même temps, je m'amuse. Puis je peux emmener toutes les gens que j'aime, faire visiter, puis les amener dans mon monde à moi. Puis, mais l'important, c'est que je fais ce que j'aime.